Kindoki, et ça va mouto na boutoute, Kindoki paye en wana. Tant yo obike, vous allez pour le peuple d'abord. Tant yo ken à Genève, vous allez très bien que dans le monde signatir, parce que base c'est dans le monde signatir. Parce que base de Seringaï, la même base, si vous avez une base, la majorité du peuple congolais, vous avez très bien que Tolingi, alliance, Tolingi, mariage, vous avez une grande ligne grave. Mais qui nous a dit, pourquoi nous ne sommes pas là? Qui nous a dit, c'est que tout comme le point de vue, la base des bases comprennent. On doit mener des réformes sur tout le plan, il y a beaucoup de choses. Les réformes électorales concernent les politiciens. Bon, le peuple a souffert. Azan a besoin de réforme sur le plan sécuritaire. Nous, quand nous parlons de réforme, c'est des réformes extra-parlementaires. Ce qui est au Salam, en dehors du Parlement, ils ont un Parlement. Pour ceux qui ont un Parlement, et pas les batailles, mais les majoritaires, ils vont faire n'importe quoi. Tout le monde est en honte. Donc, réforme dans quatre parlements, nous sommes en train d'accord en honte. Réforme extra-parlementaire, oui. Dans notre constitution, le président est élu pour 5 ans. Félix Azaki nommé en 2018. En principe. Bon, en principe, en 2023, mandat est signé. Mais ça n'empêche Azaki nommé. Président Martin Fayulu, il a moins cité na Félix. Il y a un bon côté dans Félix. Pour nous, il y a un parlement. Parce qu'ils ont compris que ce parlement est un parlement, comment dirais-je, fabriqué. Et ça, parlement de légitimité. Ceux qui ont un parlement, ils ont un parlement. Ils ont un bon côté. Donc, c'est ce que je veux dire. Ils ont un bon côté. Ils ont toujours un pouvoir. Bon. Combien si tout continue comme contre Kabila, pour qui il était. Félix a été mis entre M. Kabila. Aïbo Sima Kabila était mon partenaire. Non, Félix, ce n'est pas son partenaire. Il y a des gens qui ont été mis en train de se faire. Notre problème, c'est quoi? Tout le monde a été mis en train de se faire. Mais Félix, qui était notre allié, a été mis entre M. Kabila, a été touché à sa partenaire dans l'aïe. Vous avez dit? Si vous avez dit qu'il y a des Kabila, et comment vous avez Félix? Pour mettre 4 entre les Kabila. Voici la réalité. Le peuple congolais ne comprend pas. Diba dango bo kota bo sunanga mikonyos tu bo bundaka. Mais bo kabona, bolingo kabonyote. Mais tant que bolingo kabonyote, ce n'est pas le mazaku souffle nakata ndako. Tant maman papa bunda mikonyos nakata ndako. Bana ba zamana, pas samana mute. Le pays ne marche pas. Le pays ne fonctionne pas à cause de digne na bangon ba lewana. Au moins digne wana, les akou de FCC na kachete. Il y a dit Félix dans Kabila. Il y a Baron Mibale. Donc, et si c'est cash, il y a Baron Mibale, Baron Léo, Baron Di, Baron Di, Baron Di, Baron Di, tant que Baron Mibale. Congo France, Congo. Balandia Congo France, mais madame Nakatia Tranche, notre soirée, telle sur la politique Mboka Congo, les lois n'aient qu'on a même nous, moi, Mboka, président Bob, Bola Boyo, Azali, Moko et Abaï Lamouka. Bato bango ba bango bango bazobi bango bazapona peuple babundelaka peuple l'autre reçoit un président bon par rapport à ba question d'actualité peut tout monde qui les 2 août oyo auto ebezali journée moko commémorative par rapport à génocide oui ça marre la 1998 bango ba fêter ba célébrer kango ba commémorer kango pona kokanisa bandeko batikaka biso mokolo wana yango to reçoit peuple par rapport à ba question d'actualité moi ebele bonjour président oui bonjour madame Margot. Madame pour célébrer, pour rendre ma dernière hommage à Bandeko Namso Batikarabiso à génocide de 1998. Moi, et Boti, moi, polémique, moi, Mikolo, Babi Bneyeni Nibino, beaucoup de Babozana, président Eli Meboana, première dame camerounaise, Waramboana, déjà les cas, même beaucoup de gens qui sont comme si Bandeko, tous les gens qui sont en opposition, Bazu Bokonzi, Babosani, Juda, Toana. Merci Ming pour la Motuna. Maman Margot, oui bien que na France, na vanda rapé awa. Donc je vis à cheval. Bisou na France, ça fait maintenant plus de 20 ans dans le combat contre la balkanisation. Oui bien très bien que ba musicien congolais, ba bête la musique na pototé à cause de l'ikamwana. Pour oui bien très bien que mbogoza matanga, donc tobui makamuya, ba tbaza kat na fête. 20 ans tobunda l'ikamwana.
Donc, le président Martin Fayulu a dit à l'objet que désormais, chaque 2 août, il faut, dans le Congo Mobimba, tout commémorer date wana. C'est vraiment une très très bonne chose. Donc, vraiment, tout est très beaucoup. Pourquoi? Parce que, Mouni, date de 2 août 1998, il y a des dates où, tant que Laurent Désiré Kabila, à Bengali, à Rwandais, bah, comme na Goma, zui avion, il y a lac, l'île aérienne congolaise, bah, il y a des gens qui sont en Nagitona, bah, désarmé, bah, souligné Nagitona, bah, comme on quitte Awa, ti, bah, Laurent Désiré Kabila. Donc, à partir du 2 août 1998, guerre est bandit. Guerre, on a essayé, donc, et bomi, batou, et bélé. Mais guerre, on a tant comme en 2003. Tobito Kepsons tout dans Sun City. Toyoko dans Sun City, Mathieu 1 plus 4, croyant que Kimi est côté, qui n'a pas eu le bon marabat, l'air de nous dans le bon côté. Bon, tout le monde a 220 personnes, ça fait même pas 2 semaines. Toyoki a été ministre de mon côté, a été premier ministre, a été président, ou a été joué rôle de présenter, a été mon côté, a été ça, le bataille, mon mot, il y a condoléances. Rien! Donc, dans l'ère Kabila, on ne disait rien. Il y a eu le pouvoir. On continue la même ligne. On tue les constituants et les mis. Donc, c'est vraiment révoltant. Alors, le président Martin Fayulu a lancé l'idée. Il faut répondre. Pas à la Sakarate, dans Goma, dans Bukavu, dans Kisangani, partout. Il va se mobiliser pour dénoncer cette journée-là. Et moins de 2 août, c'est quoi la journée de Zui? Mais tu vas couper les 2 août, tu vas couper les 3 août, les 4 août, tu vas couper la caca. Tu as une date tournant pour que le Congo, partout, est-ce qu'elle s'est très bien que il faut ONU à reconnaître que le Congo a été victime d'un génocide. Ça, c'est le combat de Martin Fayulu. Ça, c'est notre combat. Ça, c'est le combat de la diaspora. Il y a Rwanda, par exemple, il y a Arménie. Il faut reconnaître le Congo. Parce que si on va reconnaître le Congo, ils ont des conséquences. Des pays qui ont commis génocide, il faut les poursuivre. Bien que ONI n'a pas ma pigné à ça, a monissé très bien le rôle du Rwanda. Il y a massacre des Congolais. Mais il y a toujours silence radio. Il a bloqué l'information. Non seulement on a bloqué, bien seulement les Congolais, on n'en parle pas. On a peur de parler de ça. Donc le fait que le président Martin Tiamana est hors du jour, on ne peut que le féliciter. Voilà. Donc pour le reste, il y a du combat. Tout dans l'est, dans l'ouest, dans le nord, dans le sud, dans le congolais. Ceux qui disent que les gens ne sont pas pour se gâter. Ce n'est pas parce que les gens sont dans l'est, ils sont dans le comité, mais ah, Père, vous êtes dans le Congo. Parce qu'ils massacrent, ils sont dans le Congo. Ah, comme un sapou. Parce qu'ils massacrent, ils sont dans le Kassai. Mais je te dis qu'il y a des choses qui se passent dans le Congo. Ok, en France, en Belgique, aux États-Unis, au Bumi, un citoyen français, au Bumi, un citoyen américain. C'est tout le pays qui se mobilise. Ici, on peut tuer les gens, personne n'en parle. Ce n'est pas normal. Tout quand tu appelles Maramon Soussou, tout le monde était les trois, les deux, les trois. Baïmboka, Mokonzamboka, tout le monde a eu la nomination, il y a un juge à la cour à cassation. Mais quand on a quatre Makamon, tout le monde a deux juges, au Batélemeli, Mokonzamboka, a bien violé. Loi na bango ya cour conditionnelle par rapport moi mboka Noël et Kilomba na Jean Liboulou et Liboulou au balobi était bango mandala bango za ka ya 9 ans baboyi le bi ko assister na pour ba prêter serment baboyi balobi te mokonza mboka violé constitution et tout musu ba bité ba ande moto makasi pour ba pesa bango ba vandisa bango. Bah qui n'a retraite pour aller qui déjà âge comme déjà plus de 65 ans faut pas luka batu sous bâche ici kawana au moins que mon conjoint moi un beau café c'est que dit ils ont le col à moi qui t'a matin mingi bas qu'on doutait là moi mon conjoint dans le pot monter ma malam ou les qui est ton dernier non moi ça détecteur t'es moi batu à combien non non oyo nyoso tout ça comme on a l'élo oyo ils ont dit conséquence du fait que ma institution où ils ont un beau n'a battu parce qu'on n'y met pas d'institution, on a bali illégitime. Peuple congolais le 30 décembre 2018 a voté qui un président. Mais Oyo a exercé le pouvoir, ce n'est pas celui que le peuple avait élu. Bah, député plus de 350 au bazar qu'on a parlement, ming peuple a voté qui va monter. Bali député fabriqué. Et ce qui fait que
conséquence, il y a 10. Il n'y a pas de député, il n'y a pas de député pour fabriquer. Non, Martin Fayulu Ali, président où le peuple a voté. Mais il y a bien beau, c'est déjà vérité des îles, on était à l'imbécile. Il y a des années qu'on explique, pour la Nini, toujours qu'il y a une violation de la Constitution. C'est-à-dire que tout ça, c'est quoi? C'est que ce qu'on a dit très bien. Question de la violation de la Constitution, et bien, il y a des notes. Bah, nous, qui, comment dirais-je, FCC, a été constaté à communiquer, moi, de rien, à moi, ici, qui m'a dit, il y a une nomination, oui, vieux sa constitution, oui, vieux sa constitution, Félix, vieux la constitution, oui, à vieux constitution. Mais si vous tenez à communiquer, moi, on va très bien que malgré que vous vieux constitution, vous êtes toujours attaché à l'alliance, c'est un surtout la coalition de Bango. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup de gens sont ce qu'on gère par la constitution. Ce qui gère notre pays, c'est l'alliance, c'est la coalition, c'est le deal, c'est le pacte au bon signer. On peut violer la constitution, ce n'est pas un problème. Donc, on veut la constitution, vous faites ça, on veut la constitution. Parce que les gens qui ont géré Mboko Oyo, ils ont dit constitution, ils ont dit deal. Est-ce que le pays sera géré par un deal? Le pays sera géré par une constitution. Ce que je veux dire, c'est que mais moi, la technique communiquée dans Bambalbini, on n'a même pas été consulté. Pourquoi on a mis ça? Babi Trebek, leur mandat est un mandat à 9 ans, non une cité. Babo na bango kokende, comment dirais-je, dans la cour de Kassa. Mais quelque part sur le territoire, sur au niveau de Moutou, il faut quand même Moutou ne pas être informé. On ne met qu'à Néwanate. Moi je pense effectivement sur le dernier Macabonien très très bien. Donc tout ça a un pouvoir qui fait des choses comme si bah, conseiller juridique, basate. À chaque fait Oyo, Félix Azar opposé, il y a toujours. Critique, il y a toujours bateau bazar d'accord d'un côté, il y a toujours, mais parce que justement il y a ça aussi pour voir n'ayez Babengo manque un leadership au soc, c'est que notre pays a besoin d'un leadership fort. Un leader, c'est quelqu'un qui a la capacité d'unir Batou, de conduire Batou vers un objectif. Or, le leadership, il y a Félix, il est tellement faible parce que partager la Kabila, parce que partager le leadership à une balai, pèse autant de dater. Donc, pour dire seulement que nous avons dit conséquence à fait que ça qui dit na bango à l'insu à peuple bah peuple mon pas dit ça moi je comprends bango tout ça donc on continue bouillir dans cette allure là 5 ans dit 2023 pays au coufa. C'est pourquoi le président Martin le dit très bien que nous devons nous asseoir autour d'une table pour tout à là quelles sont les réformes que nous devons mener. Et ça sur le plan politique, le plan économique, le plan social, le plan culturel, sécuritaire. Bon, quand tu appelles moi Songi Moké, les Kambo, moi, la Mboka, Martin Fayulu, la bête la Kango, c'est que les Kambo réforme politique. Tout le monde a ka, batou, belé, batte, ma ka, ba politicien, beba, le bête, et aza député qui est dans l'Assemblée nationale, a qui a proposé, ba voter loi, wana, tout ba voter projet naé. Y'a koka, moi, ba député, ba zan la vacances parlementaires, tout le monde, il est 13 parlementaires, ba bimi, au Mokonza Mboka, a Yambi Bango. Est-ce que. Mon quand j'ai pourquoi on a eu quoi il fallu lutter. Bah député au Yobango bah zo kende wana bah na moi en Bokari Thomas Lokondo, Patrick Amouya bah sangani bah Claudel Lubaya bah ça or bah ça la vacances or Assemblée nationale. Et ça qu'on violait pe loi y a règlement d'ordre Assemblée nationale t'es. Vous posez mon témoin malam maman, mon témoin malam mon. Tant que le président Martin a tiré qui sur la table. Plan de sortie de crise qui est aujourd'hui encore sur la table. Certains ont dit que Azouka Moussala, Bouboué, tout cela, mais aujourd'hui tout le monde parle de réforme. Tout le monde. Alors, on comprend que Azaki reverte, Mazaki visionnaire. C'est à mon avis, Makamouava Moutnionstou. Le Oyo, groupe des 13. Mais bon, Mazababa, ma député, pour ne pas qu'il n'y ait pas de discussion parlementaire. Pour nous abîmer la carte du Parlement. Parce qu'ils ont compris que ce Parlement est dit Parlement, comment dirais-je, fabriqué. Et ça, Parlement de légitimité. Ceux qui ont abîmé la carte du Parlement, ils ont battu le Parlement. Ils ont dit que c'est un peu de mal. Or, Bango Pédokola, ils ont dit qu'ils recherchent un positionnement. Pourquoi positionnement? Si on a communiqué dans Bango, Mboka a été pris en otage. Il y a plusieurs armées étrangères qui ont envahi Mboka. Lui, il m'a dit que les dollars ont tout ça. Mais bah, chiter pour dire que nous devons faire la réforme électorale. Non, ce n'est pas seulement des réformes électorales. C'est des réformes électorales, la réforme, comment dirais-je, sécuritaire, parce que le pays est attaqué. Et ça, on doit mener des réformes sur
tout le plan, il y a beaucoup de choses. Les réformes électorales concernent les politiciens. Bon, le peuple a besoin de souffrir. Il a besoin de réformes sur le plan sécuritaire. Pour dire seulement que le groupe des 13 ans est un opportuniste. Il va se retrouver. Il va se mener au combat. Il va très bien que ce soit. Il va se mener au parlement. Non. Nous, quand nous parlons de réformes, c'est des réformes extra-parlementaires. Ce qui est au sein, en dehors du parlement, ils ont un parlement. Pour ceux qui ont un parlement, et pas les batailles majoritaires, ils vont faire n'importe quoi. Tout le monde est en honte. Donc, réforme dans quatre parlements, plus on est en honte. Réforme extra-parlementaire, oui. Bon, moi, si vous avez un peu de réforme, au moins, vous avez un peu de temps, 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 vous élection exacte parce que nous avons toujours un recensement. Recensement, on a un bâtiment numérique. Tout recensement, on a un bâtiment qui a fait. Tout le matériel qui a été fait, tout le matériel qui a été fait, tout le comprendre. Le recensement qui a été fait, c'est que dans notre constitution, le président est élu pour 5 ans. Félix Azaki, nommé en 2018. En principe. Bon, en principe, dans 2023, mandat est signé. Mais ça n'empêche qu'il est nommé. Très bien. Dans 2023, en principe, mandat est aussi là. D'accord. À partir de Wana, il faut deux maintenant à sa disposition pour le 20, dans 2023, tout qu'il y a l'élection. Nengemoko, na yenabiso, to boyagi makama glissement. En 2016, même si Kabila Gisaki a commencé dans 5 ans, tout cela, Tolingi Glismate, à sa disposition, tout comme en 2023, il faut que ça soit là. Non, Covid, effectivement, il s'agit de 3 sur 4 mois, et je vais vous dire que je vais vous dire que pour qu'on soit en sorte que l'élection soit en 2023 ou avant 2023. Parce que pour l'Abisso, notre proposition, c'est quoi? C'est que nous devons aller aux élections anticipées. Donc, tout ça, la réforme, tout qu'une élection anticipée. Et vous avez en 2021, tout ça, une élection. Mais en 2023, ce qui est une élection anticipée, c'est limité en 2023. Mandat Félix est signé. Nous devons aller de nouveau une fois dans une élection. Mais avant, il faut la réforme, et ça. Parce que tout ce qui est une élection avec Séni Oyo, tout ce qui est une avec Co-Constitution Oyo, tout ce qui est une avec. Non! Tant qu'on n'aura pas fait les réformes, on risque au moins en 2006, Bemba a gagné, Kabila Tikali. En 2011, Papa Tshisekedi a gagné, Kabila Tikali. En 2018, Faure a gagné, Banemé Félix. Donc, ce que je souhaite, la réforme était. Bon, il y a 2018, Faure a gagné, Félix Tshisekedi a gagné, il y a un lobby. Il y a un lobby, hein. Il y a un lobby, c'est un robot. Très bien. Président Martin Faure, il a moins cité na Félix. Il a moins cité na Félix. Parce que Babi Kélo Gébé Psa, il a moins cité na Mbongo. Il a moins cité na Mbongo. Et là, vous avez entre Félix, le président Martin Ferrero, fraude électorale. Vous avez fraude électorale. Le président Martin a dit très bien que Félix a dit frère Nangaï. Il n'y a pas de problème. Pour que vous avez moins cité. Mais on a un problème à fraude électorale. Tant que vous résoudrez la moitié, le problème va toujours demeurer. Pour te résoudre en haut, tant qu'il y a un dialogue, on a tout ça, la réforme, on a tout résolu le problème. Aujourd'hui, à éviter qu'il y a beau salaire, comme il y a comment dirais-je, il y a vérité des urnes. Non, vérité des urnes, ils ont dit souveraineté à peuple congolais. À voter Moutou, Babou Moutou en abîme. Ceux de salaire vont voter, l'homme te reconnaître la même situation. Après l'homme te reconnaître la même situation. Il est temps que le peuple, avant de tourner une table, te trouve la solution. Tu as dit que tu as par exemple, tu as dit que tu as un peu de temps. Et ça, tu as dit que tu as un peu de temps. Tu as dit que tu as un peu de temps. Tu as dit que tu as un peu de temps. Tu as dit que tu as un peu de temps. Tu as dit moi, je suis Franck Diongo, moi, je suis Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, je suis Simaya, moi, je suis Félix Tshisekedi. Et là, on y pèse, on y pète, 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 on y pète,
bobos du cabo vanda bobongisa popo bengana FCC bobengana bayi bayi FCC pe moi en boka zef kavila akoma bakoma pe ba opposant na mboka Congo madame très très bien tant de les élections en 2018 na yona ngai parce que je me rappelle aux ba manifestation notre commune était bien na kabili kabila ka comme individualité mais tout son système notre combat c'était ça côte à côte na Félix tout amodaki pour tout bien na kabila. Pour que l'élection, bien sûr, une fois de plus, le peuple a voté Martin Fayou. Mais, dit les salamis entre Félix, ben on a Nani, tout ça. Tout le monde a très bien dit, oh, Kabila a eu l'Assemblée nationale, Kabila a eu le Sénat, Kabila a eu la primature, si son ancien ministre a eu 43 ministres, Kabila a eu 24 gouverneurs sur 26. Mais Moutou Akiyite a toujours le pouvoir. Bon, combien si tout compte combat contre Kabila, pour Akiyite. Félix a été entre M. Kabila. Aïbo Sima Kabila a dit c'est mon partenaire. Non, Félix, ce n'est pas son partenaire. Il y a des gens qui ont été pour tout le monde. Notre problème, c'est quoi? Tout le monde a besoin de tout le monde. Mais Félix, qui était notre allié au thème entre M. Kabila, a été touché à sa partenaire dans l'aïe. Vous avez dit? Si vous avez dit qu'il y a des gens qui ont été pour Félix, pour amitié entre M. Kabila, voici la réalité. Comme la chose à Souka, Motuna Mosolana Bakisa, rupture, tout le monde moi en Boka Bande combattant des pestes, parce que nous sommes mon peuple commence à saigner des mariages à coalition, c'est se cacher ça à Nin et Kabwana. Mais tout le monde compte en Boka fait ce que tu veux, qui est à Brazzaville, à l'objet entre FCC, Nakash, rupture exacte. Mariage, ils ont continué. C'est bien, Kindoki, les Aga Motuab Manaboutoute, Kindoki Payamwana. Tant que vous avez dit pour le peuple d'abord, tant que vous êtes à Genève, vous avez très bien que vous avez signé, parce que la base est Serena, vous avez signé, parce que la base est Serena. La même base, si vous avez une base, la majorité du peuple congolais, vous avez très bien que vous avez une alliance, vous avez un mariage, vous avez une alliance. Mais qui nous a dit? Pourquoi nous ne sommes pas? Qui nous a dit? C'est comme le point de la base des bases de comprendre. Le peuple congolais ne comprend pas. Il y a des gens qui ont été connus. Mais si tant que le pays ne marche pas. Le pays ne fonctionne pas à cause de la dignité. Au moins, il y a des gens qui ont été cachés. Il y a Félix qui a Kabila. Il y a des gens qui donc, FCC cache, il y a des gens qui ont été cachés. Il y a des gens qui ont été cachés. Tant que les gens ont été très bien que Dilouana. Donc, le peuple congolais a été mis en base à l'IDPS a été mis en haut. Il y a des gens qui ont été mis en haut. Mais le peuple a été en otage. En prenant le pays en otage, il y a des gens qui en otage. Dollar est commis à 16, les autres qui ont été 14. Il y a des dollars qui ont été mis en haut. Il y a des gens qui ont été mis en haut. Donc, ce qui s'est passé, ce week-end, il y a des gens qui au-delà de 14 et 15, il y a une spéculation. Parce que sur le plan économique, ils allaient répondre à la critère économique. Aux autres. Ils allaient dire, même à la télé, il y a 14-15. Il y a 1% dans la télé. Ils allaient toujours dans 20. Donc, on a 8 dollars, on a francs congolais, il y a toujours dans 20. Sauf qu'il y a une banque, ils allaient toujours dans 19, dans 20. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ça m'a cité. Ils ont battu Oya Bango, retiré le franc congolais sur le marché, retiré en haut. Tant qu'on retiré le franc congolais sur le marché, la loi offre la demande. Et ça dit que le franc congolais est commis recherché. Tant qu'il est commis recherché, est commis ce qu'on cher. Vis-à-vis d'un dollar, le dollar c'est quoi équité. Mais par contre, retiré en liberté. Et Zongi est normal. Ils ont donc essayé même 3-4 jours. Et Zongi, écoute, et comme Mataye Soussou. Donc, il y a des peuples congolais bon. Parce que tant qu'on va foutre un dollar, va foutre par exemple 100 000. 100 000, il y a très besoin de quoi là, ou bien de quoi là, 50 dollars. Tant qu'on va quitter ici en haut, on va quitter le dollar, de juste parce que vous valez un bon, on va foutre ça, on va plus de 80 000, tout 70 000, il y a bien bon. Donc, là, on a souka, moi, en tant que président, je suis en zone, je vais m'en inviter. Je vais m'en aller à la maison, je vais m'en aller à la maison, je vais peuple congolais. Bahimboka, Bayoka. Non, mais quand Zamboka appelle le président, il fait ce qu'il dit, le mot Yoka. Martin Fayoulou, président élu à l'Obagiboui.
Chaque de 2 août, comme disait comme Lumumba Mbaki, nous devons faire du 30 juin une date inoubliable pour nos enfants et nos petits-enfants. De 2 août 80, comment dirais-je, au 2020 à et comme date où chaque année, nous devons commémorer l'événement on a pour que ça montre que nous sommes victimes des génocides. Génocide pourquoi? Parce qu'il y a des pays voisins. Il y a souci, Rwanda est parti, Ouganda est parti, Zambie est parti. Mais pourquoi? À cause d'un kit de biso, comme Rwanda, il y a un minimum de coltan. Mais il y a un traité de coltan. Mais sous instigation, il y a certaines puissances occidentales. Donc, il faut pas y aller. Quand je dis Moukili, peuple français, peuple belge, peuple congolais, peuple zambien, tout le monde ne faut le Congo est victime de génocide à cause de la richesse. Donc, ma population congolaise n'est pas bénie, n'est pas tout. Les gens qui m'ont béni, la population étrangère, ils vont vendre. L'hôpital après l'hôpital, c'est l'état indépendant. Voici leur but. Il faut tout aimer. Sur le terrain, il y a un pays qui est menacé pour le pays de le Kabouane. Le Mumba, dès la zone d'indépendance, dans le pays de Kassavou, le pays de Kassavou, il y a 2 345 000 km² de superficie. Il y a un tigre à la bongo. Atteint 1 cm et l'on voit. Ça, c'est combat de combat, combat de combat, combat de combat, mené combat de combat, de merci beaucoup, M. Congo France. On est avec moi, le président Bob Bolaboué. On a dit qu'il y a un peu de à répondre par rapport à la question de poser qui est dans la politique en Congo. Merci beaucoup, Olivier Vicou. Merci à Christian Touré Kenzo. Merci au patron Didi Pumba. Nous avons dit que nous avons dit Gauss Kebes, Sadam Samafunda, le Bolch, le Kassem, ma maman Henrique Béa, Gisette, la Timère double, Mote ma prince Jucloineur. Patrick Obumba, maman Bichonoka, Gisette, la Timère double, la prince Jucloineur. Congo France, Congo France.com.